Voilà. Hop. T'as un super gros canon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On accepte, on prend toutes les quêtes ou pas? Je sais pas, ils ont l'air bizarres là. Il y a eu des morts. Bonjour. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui ont l'air. Salut. Top, mais... C'est pas quoi faire de tes dix doigts. Ça te dit de résoudre une affaire de meurtre? Je suis le marshal de la région. Un des quadruplés caniveaux a tiré sur ce garçon-là. Tu seras mon assistant pour la durée de l'enquête. Va chez Moxie et Zed. Interroge les témoins et découvre lequel de ces salopards a appuyé sur la gâchette. Sinon, je devrais tous les pendre et... J'ai vraiment pas que ça à faire. Ok, bon, on peut se faire ça. Oui, je suis chez Moxie, là. Chez ma copine. Ah, ça m'étonne pas, ça. Moi j'ai plus de chance avec elle que toi, Kana. Peut-être qu'elle aime bien les nains, tu sais. L'un d'entre eux est entré ici en courant il y a deux heures, en réclamant le droit d'asile. Je dis que je pouvais rien promettre, et il est devenu méchant. Alors je sortis le prix, et je lui ai balancé trois pruneaux. Son bouclier a arrêté les deux premiers, mais le troisième, il l'a dégusté. Personne ne me menace dans mon bar. Bon. J'avais une bonne vue, quand même. Je n'ai pas de mission pour toi. Bon. Je vais te voir. Bah, de toute façon, je te suis. Hein. C'est qui sur la droite? Ah, non, faut aller voir Zed là, je crois. Il y en a un. Ah non, c'est Marshall qui est ici. Ouais, bon, là, Marshall. Le docteur Zed. Si vous m'entendez et si vous êtes assez sain d'esprit pour comprendre ce message, dirigez-vous vers Sanctuary. Non, mais lui, il va nous embêter à dire toujours la même chose à chaque fois qu'on est en ville. Parce que j'ai trouvé un truc, ouais, mais c'est tout le temps c'est le même. En fait. Ouais. Si vous voulez survivre, prenez un flingue, dirigez-vous vers Sanctuary et toc, c'est nous. Ouais, il est comme neuf. Et il m'a même payé un bonus. 6 000. $5 000. Vous n'allez quand même pas les confisquer comme pièce à conviction, ouais. Si bienvenue à la clinique portable du docteur Z. Ok. Et on fait quoi nous? Bon. Interroger le marshal Friedman. Ouais, on va le faire parler dehors. Si tu sautes vachement en haut pour un nain. T'es vraiment incroyable. Il y a eu un coup de feu il y a deux heures. Naturellement, j'ai fait comme si j'avais rien entendu jusqu'à ce qu'on m'appelle à l'aide. J'ai trouvé ce garçon baignant dans son sang, une seule balle dans la gorge. Il est vraiment mort, c'est sûr. Un des garçons caniveaux. Désolé, mais c'est tout ce que je sais. Ouais. Il a pas l'air bien, en effet. Et nous, on fait quoi? Bah, ils sont. Ah, c'est ils sont là, les mecs. Alors, mais... qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. Parce qu'elle a dit quoi, Moxie? Bah, j'ai pas tellement écouté, mais j'ai pas l'impression que ça soit un mec avec un lance-roquette qui l'a buté, quoi. Une balle dans la gorge. Elle a dit qu'elle a balancé des prunes. Ah mince. J'ai pu. Et si on retourne voir, ils nous répètent ce qu'ils ont dit? Je sais pas. On va voir. À moins que ça soit écrit dans l'inventaire quelque part. Bon. De l'émission. D'après plusieurs témoins, le frère en question a tué Justine machin d'une balle dans la gorge avant de courir au bar de Maxi et d'exiger qu'on lui accorde le refuge. La plantureuse barmaid a alors tiré trois fois sur le meurtrier, les deux premières balles ayant été arrêtées par son bouclier. Et pris en charge par deux hommes, le professeur en direction de chez lui et était appelé par Marshall, possiblement furieux et armé. Donc il s'est pris une balle quoi. Ouais. Alors, déjà faut regarder si le mec a un bouclier. Mais... tu vois une différence? C'est un bouclier ça là? J'ai l'impression que c'est celui-là moi. Quoi? C'est un bouclier?
Bah ça là le truc là, ce truc là. T'as aucune preuve, tu perds ton temps. Bah, c'est un flingue ça non? Il y a un flingue à droite et il y a un truc, un gros truc là, je sais pas ce que c'est ça. Et lui là, ce qu'il a sur le ventre, c'est quoi? C'est un bouclier, ouais. Bon, en même temps, bon, l'autre il doit. En même temps, t'as raison, c'est pas un lance-roquette qui l'a tué lui. On bah accuse celui que tu penses. Celui-là, je sais pas. Ouais. Et je lui explose la gueule au lance-roquette. Perdu, perdu. À jamais, les gugus. Quoi? C'était lui là? Mais. C'était lui là? Bah il est parti. Je vais tirer dessus lance-roquette, ça lui a fait que dalle quoi. Eh bah. En fait on avait tort, complètement. Ou alors toi, pas grave. Encore merci. Et dis donc, on a gagné un truc pas dégueulasse là. Dégâts corps à corps plus 100%, appuyez rapidement sur le gage pour plus de balles. Bon, il n'y a que 8 balles dans le chargeur, mais 217 de dégâts pour un petit flingue. Ça va. Attends, je vais voir la quête là, à Marcus. Lance écarlate. J'ai qu'une seule question à vous poser. Encore un ? Une seule. Chaque fois qu'on vient, il revient des trucs en fait. Tout cela est loin derrière nous. J'ai beau être ravi de tous vous voir à Sanctuary, je sais que vous êtes là, faute de mieux. Jack a réussi à faire sauter mon coffre personnel dans ma boutique et le voler. Mon trésor le plus précieux peut être entre les mains d'un bandit minable. Retourne à ce trou de la taille d'une ville et récupère mon coffre. Ouais, là-bas. Alors. Il faut faire quoi? Il faut retourner. Trouver le coffre et tuer les squatteurs. Attends, ça indique qui ça ici? Faut se téléporter? Ça? Bah ouais. Bon, on fait ça vite fait. Tu veux faire cette quête là? Si tu veux. Ouais. C'est parti. C'est pas encore réglé ce truc? T'en as fait spray hein. Je remarque qu'on est toujours là. Mais t'as fini? J'étais rentré dans le menu, mais bon. Boum, boum. Bon, j'espère que ce sera un petit peu intéressant parce que. Parce que là, t'es sûr que c'est au bon endroit quoi, tu te téléportes? Oui, oui. J'espère que c'est pas trop long. Oh non, mais c'est vachement loin là. Attends, on prend une bagnole. Ouais, enfin quand même, pour faire une petite quête, il pouvait pas nous TP directement. Ça aurait été trop facile. Ah. Oula. Vas-y fonce. Aïe. C'est là? Oui. C'est bon. Ouais, non, on arrive à lancer une ville en fait. Ou pas du tout? Bah ouais. Ah, on a perdu la voiture. Attends, je regarde où c'est là. Oh, ça c'est. Ah, ouais, c'est. Eh, c'est ce qu'il reste. Ils ont laissé ton coffre. Ah, c'est pas mal, on a bien fait de prendre quand même. Tu ne trouveras pas meilleure marchandise ailleurs. Je m'en suis assuré. Voilà. Non, c'est bon. C'est bien là, j'ai récupéré un bouclier qui a une chance d'absorber les dégâts et de les munitions pour les filer à mon inventaire. Nouveau ami. Bien con, monsieur. Oh là, il est énervé. Mais il s'est transformé en gros monstre. C'est un zombie machin. Plein de viande que tu vas adorer. Toi,
Petit coup, il fait mal. Oh, je crois qu'il a balancé une connerie. Oui. Et moi, je crois que je tire la tête. Je suis vachement rancunier. Attends, comme je l'ai. Aïe, mais il m'a touché là. Aïe. Je fous. Je crois que ça va aller vite à faire 25 mecs comme ça. Oh. Bah. Sapristi, ces crétins ont fait tomber mon coffre. Ouais, il est tombé le coffre. Va donc le chercher. Oh. T'es où toi? T'es monté? Je suis. Non, je suis descendu en fait. Hey, il balance de. Il te vomit dessus, ouais. Ouais. Toi, mourir. Il est où? Il est mort en bas. Ça, trop bien. Et dis-moi. C'est mal donné, voilà. Ouh, mais je suis mort. Mais je vais revivre. Ah non. C'est toi qui l'as tué là? Mais ne le tue pas, je vais lui tester s'il arrête de courir. Et il m'a projeté en. L'autre il a sauté, j'étais projeté en arrière quoi. Ah, je suis coincé par un. Oula! C'est quoi ça? Oula la vache! Qu'est-ce qui c'est? Et où le petit flingue il est quand même précis. Hein. Et puis 222 de dégâts, c'est pas mal. Mmh. Je te laisse tout si tu veux. Merci. Faut pas t'étonner si j'ai plein de fric après. Le fric, ça rend chic. Ouais, t'as plein de fric, mais. Oui, je suis pas heureux pour autant, je sais. Dans le ventre, dans le vide. Ah c'était toi, je me dis c'est quoi, il avait quoi dans le. Ouah la vache. Ouh là là, 5 points de vie. Ouah, comment j'ai touché. Les ennemis ils ont pas l'air d'être très costauds, j'ai l'impression. On les tue bien. Mais... Ouais, si on fait la quête secondaire de temps en temps, on va se trouver avec plein de quêtes où les mecs ont une cartonne dessus quoi. Oh là. Je crois qu'il m'a pété la tronche. T'es où là? Du slime. Et c'est quoi là-bas? Mais ils sont. Les mecs. Je les laisse en. Ils sont en dessous? Ouais. Ah oui, ça fait un. Un bout de chemin. Je peux pas descendre par là-bas. Mais j'ai pas été voir par là non. Est-ce que ça va être là? Faut passer par où? Il y a un truc qui tourne ici. Il y a un ascenseur là. Merci. Ça va? Je suis sur le toit. Bienvenue chez moi. Dans la tête. Oh bah lui.
Ah, je l'ai tué avant qu'il se transforme. Ouais. T'as pas l'impression que moi aussi je tire quand même? Ah, mais moi je fais des dégâts critiques. Ouais, c'est vrai, comme moi, non. Là, j'ai réussi à le sniper dans sa toute petite tête. Qui font du bruit. Par là. Oups, j'ai tout. Allez. C'est quoi ça? Petit flingue tout pourri, je le laisse. Faut encore prendre l'ascenseur là. Ça doit être là-bas le truc. Tu viens? Ouais, je fais le tour. Ouais. Ouais. Pas mal de décor. Ouais. Avec un gros trou. Il y a rien d'autre à faire là? Bah attends, on va rentrer dans le truc, dans la zone.